Bonjour tout le monde. C'est vrai que j'étais pas présent sur les réseaux sociaux parce que bon voilà, il y a eu des choses qui se sont dites sur moi. Et aujourd'hui, bah, je vais vous expliquer, je vais être sincère avec vous à 100%. Tout a commencé avant le reste du monde, l'aventure qui est en ce moment à la télé. Il y a une personne qui me voulait du mal. Voilà. Et cette personne, un jour, quand on était amis avant, j'étais en FaceTime avec une amie à moi, avec une fille, et il a screen à mon insu cette photo. Et il l'a envoyée à quelqu'un qui était mon ami à ce moment-là. D'ailleurs, un très bon ami, enfin, je pensais à ce moment-là. Donc, moi à ce moment-là, parce que c'était quelque chose qui devait rester dans mon intimité, ça ne va pas être screen ou quoi, je dis comment est-ce que je peux faire pour me défendre? Et je me suis souvenu que j'avais une photo d'une de mes ex qui était sa femme à ce moment-là. Donc je me suis dit, attends, lui il me fait ça, moi j'essaie de me défendre comme je peux. Et j'envoie juste à mon ami, non pas diffusé sur les réseaux, non pas envoyé à plein de potes, je ne sais quoi, non, j'envoie juste à mon ami cette photo qui, je précise, n'est pas un nude du tout, hein. C'est une photo, en fait, j'étais dans le bain avec ma chérie à l'époque. J'avais pris en photo, elle posait comme ça, elle avait de la mousse sur le corps et il y avait un téton qui a dépassé parce que la mousse était enlevée. Donc voilà, ce n'est pas un nude du tout. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, elle est là. J'aurais pu peut-être en parler et j'aurais pas dû l'envoyer. Et moi, cette personne, je lui faisais confiance. Je passais tellement des heures au téléphone avec que je lui ai fait confiance. Donc je lui ai envoyé cette photo, mais j'aurais jamais dû. Et ce jour-là, je lui ai envoyé plusieurs photos, plusieurs choses de mon intimité, parce que je lui faisais confiance, c'était un moment où j'étais pas bien. Et j'aurais jamais dû faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la personne qui me veut du mal, avant le reste du monde, a appelé mon meilleur ami, avec qui je m'étais disputé. Donc on ne se parlait plus pour avoir des dossiers sur moi, en disant, ouais, salut, est-ce que tu as des dossiers sur Ilan? Forcément, un ami a des choses contre toi, parce que quand tu es ami avec quelqu'un, tu te confies, tu lui dis toutes les choses et tout. Et du coup, bah, il lui a donné une photo d'une de mes ex que j'avais envoyée avec des émoticônes. Donc on voyait pas grand-chose sur la photo, mais c'était relou. J'avoue que c'était relou et que j'aurais jamais dû lui envoyer ça. Mais c'est toujours pareil. Quand j'avais envoyé cette photo, c'est parce que mon ex à ce moment-là, elle était en train de me pourrir sur les réseaux sociaux. Des mots que j'ai même pas envie de répéter ici, tellement j'ai honte. Et comme je sais que mes parents vont regarder la vidéo, j'ai même pas envie de répéter ces mots-là. Donc, encore une fois, je me défendais comme je pouvais. Sauf que je me suis défendu devant un ami que je pensais qu'il allait jamais, 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 jamais en parler. Bref, arrivé sur le tournage, l'histoire a commencé un peu à s'ébruiter, mais ça s'était plus ou moins étouffé. J'ai dit, bon, écoute, tant mieux. Tout en sachant que cette personne a appelé la production avant en disant je veux pas qu'Ilan soit là, le genre de personne qui fait ces choses-là n'ont rien à faire ici, c'est soit lui, soit moi. Enfin, en gros, cette personne ne voulait pas que je fasse l'aventure. Mais la production, c'est des gens très bien, ils sont là pour faire des programmes de divertissement, et donc ils nous ont dit ça n'a rien à faire ici, c'est votre vie privée. Nous, ici, on fait un programme de divertissement et le but, c'est que les gens, ils apprécient vos histoires. Enfin, bref. Et du coup, pendant le tournage, à un moment donné, j'ai eu un problème avec cette personne totalement injuste. Et on a profité de la moindre occasion pour balancer cette bombe qu'il avait demandé justement avant le tournage. Et c'est ça qui a brisé la moitié de mon aventure. Voilà. Vous regarderez les images, hein, je ne spoilerai pas le programme. Et du coup, ça a brisé la moitié de mon aventure. Et du coup, l'opinion publique des gens sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. À la fin, je vous fais l'histoire. Bref, à la fin, on se réconcilie, donc tout va bien de nouveau et tout. On passe sur les histoires. Je me dis, bon, bah voilà, ça y est, c'est passé. Tant mieux. Sauf que, en sortant de tournage, cette personne, il est retourné voir mon ancien meilleur ami en disant, tu as encore des dossiers sur Ilan? Et c'est à ce moment-là qu'il a renvoyé cette photo qui avait été prise le même jour et tout. Et du coup, là, je reçois des appels, je me fais insulter, je me fais. Et moi, je me dis, oh putain, qu'est-ce que t'as fait, Ilan? Je me suis dit à ce moment-là, j'ai fait une erreur. Du coup, je m'excuse. Je dis, je suis désolé. Je leur ai même proposé de leur envoyer des fleurs.
Je me suis excusé auprès des deux en disant je suis désolé, c'était il y a longtemps, je suis désolé, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Et là, ils en ont profité que j'ai montré un moment de faiblesse pour essayer de m'enfoncer, de s'acharner sur moi, de tout faire pour limite me rayer de la carte, limite, et j'exagère pas, hein. Ils m'ont menacé de mort, ils m'ont fait des trucs de fou. Tellement que je suis arrivé à un stade où j'ai dit, moi, il y a quelques jours à la production, je ne veux plus venir sur le reste du monde. Je ne veux plus venir. Pourquoi je ne veux plus venir? Parce que tout ça, c'est trop. C'est trop, ça m'atteint dans ma vie privée. Le dossier qu'on lui a donné, c'était une histoire de 2019 qu'on avait déjà réglée depuis 10 ans, qui était totalement bidon. C'est-à-dire que les deux personnes là qui me veulent du mal, ils se sont servis d'un truc qu'ils savent déjà, qu'ils sont déjà au courant, qui date de 2019 pour lesquels ils m'avaient déjà insulté à l'époque. Mais le pire, c'est que cette personne-là qui me veut du mal, il en rigolait à l'époque. Rigolait à l'époque parce que c'était mon copain. Et ça le faisait bien rire, cette histoire. Sauf qu'entre-temps, bah, mon ex est devenue sa femme. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable de ça. Je passe le fait que tu sois mis en couple avec mon ex sans m'en avoir parlé. Mais ça, bon, c'est pas grave, chacun ses principes. Mais c'est le même truc qu'on m'a ressorti, je ne sais combien de fois, sur plusieurs années. Donc vous savez quoi? Je vous dis la vérité, je suis tellement arrivé à un stade où en fait me faire salir gratuitement pour des trucs totalement bidons. Non, stop. On fait des choses pour du divertissement. On est là pour faire rire les gens et pas pour les saouler avec nos histoires comme ça. Et ce qui me dérange le plus, c'est d'être jugé par des personnes, donc ces personnes-là qui me jugent et qui essaient de m'enfoncer, sur qui, je dis bien, hein, pour rien au monde, je voudrais ressembler. Parce que ces personnes pensent peut-être, parce que ces personnes pensent peut-être que je suis jaloux envers eux, mais pas du tout. Jamais je veux leur ressembler. Jamais, jamais. Après, ce qui se passe dans leur vie, c'est pas à moi d'en parler. C'est pas à moi de le dire. Moi, je rentrerai jamais comme eux dans cette méchanceté de vouloir faire sortir des choses à travers des blogueurs ou à travers des choses. Parce que, effectivement, ils prennent pas la parole eux-mêmes. Bah oui, mais bon, si tu fais dire les choses par quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose. Moi, je fais pas ça. Moi, je crois au karma, je crois en certaines choses qui fait que je me permettrai pas de faire ces choses-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est, ça y est, vous avez sorti les dossiers 10 fois de la même année, il y a 10 ans. Maintenant, est-ce que vous allez me laisser tranquille? Est-ce que maintenant, je vais pouvoir faire ma vie correctement? C'est ça que je demande. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les messages de soutien que j'ai eu parce que voilà, il y en a beaucoup qui savent qui je suis, que je suis quelqu'un de parfois maladroit, mais je suis pas méchant. Et je veux le mal de personne. Et encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et voilà, je vous embrasse.